Y'est pas tout le monde. Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur une question et une problématique que soulèvent de très nombreuses personnes. Est-ce que je dois acheter et donc faire un prêt immobilier ou est-ce que je dois louer dans ma vie? Alors c'est une question en fait que se posent de nombreuses personnes. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, les gens sont pris le couteau à la gorge quand ils s'engagent dans un prêt immobilier entre 20 et 25 ans. Parce que aujourd'hui on est dans un monde qui bouge énormément, on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer demain, on n'est pas capable de savoir si notre état de santé va s'améliorer ou au contraire plutôt décroître. Donc on n'a pas de vision claire sur ce que va être demain. Mais à côté, si on fait un rapide calcul pour essayer de comprendre si il vaut mieux faire un prêt immobilier ou rester en location, alors moi je vais vous avancer quelques chiffres. Voilà. Alors le coût global de la vie, si vous considérez en fait votre vie de 23 à 60 ans, donc soit 37 années, et que vous vous considérez comme une famille de 4 personnes, moi j'ai envie de vous donner une moyenne nominale, on va dire, si vous prenez, cherchez un logement pour une famille de 4 personnes et que vous restez dans une location pour une superficie de 110 mètres carrés, donc ça les frais de location en fait ils vont être fonction de la ville dans laquelle vous êtes localisé bien sûr, mais pour 4 personnes 110 mètres carrés, on va dire que ça oscille entre 700, 1000 et 1500 euros. Donc ça c'est le coût net du loyer. À ce coût net du loyer, en fait, il va falloir rajouter de nombreuses charges qui augmentent aujourd'hui. Ça, c'est une variable importante à prendre en considération. Le coût de l'énergie augmente progressivement. On a vu des plus 10, des plus 20, maintenant des plus 30, voire plus 40. Donc voilà, ça va être une variable limitante qui va vous coûter cher dans l'avenir, donc il faut l'anticiper. Alors, si je reviens sur mon loyer, donc 1000 euros mon loyer, j'ai dit un loyer à peu près moyen pour 110 mètres carrés. Et si on considère en fait une dépense liée au coût d'énergie, assurance habitation et autres, on va dire 500 euros. Donc ça vous fait un loyer de 1500 euros par mois. Donc ce loyer, si vous le rapportez à 37 ans, ça vous coûtera 700 000 KE, donc sur 37 ans. Donc face à ces 700 000 KE, au jour d'aujourd'hui, le fait d'acheter une maison, on va dire que ça va vous coûter à peu près entre 150, 200 000, voire 300 000 ou 400 000 euros en fonction de la localisation que vous souhaitez mettre en place. Donc comme vous savez que cette location elle va vous coûter 700 000, effectivement, vous pouvez envisager un achat. Mais il faut que cet achat il reste judicieux. Si vous augmentez la durée de réalisation de votre prêt, forcément, vous allez augmenter en fait le coût global d'emprunt de cet argent à votre banque. Donc la banque va vous le faire payer. Donc en fait, il faut vraiment que vous fassiez le calcul de façon à avoir, un emprunt avec de l'argent au juste utile de façon à pas payer le prix fort à la banque. Donc effectivement, la location, c'est une façon de rester indépendant et d'éviter peut-être de payer la taxe foncière. Mais à côté de ça, voilà, je pense que ça a étudié parce que si je regarde mes calculs, faire vivre une famille de 4 personnes en location, ça vous coûterait à terme 700 000 euros. Donc est-ce qu'il ne faut pas prévoir justement un achat immobilier pour absorber un peu cet argent qui pourrait être perdu? Donc en fait, la dualité, ça pourrait être d'avoir une période de sa vie peut-être en location, le temps de capitaliser de l'argent et mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est-à-dire que vous consommez au juste utile, ça va vous permettre de mettre de l'argent de côté. À côté, vous allez réfléchir peut-être des solutions de placement et d'investissement très très judicieux. Et puis vous allez prendre le temps et la patience de faire fructifier cet argent. Ça vous donnera en fait une sorte de portefeuille de cash mis à disposition pour réaliser votre achat. Dans un second temps, prévoyez un achat qui soit intelligent. Aujourd'hui, on a de nombreux points d'évolution de la réglementation autour de l'immobilier. On avait la réglementation RT 2012 et maintenant on a des maisons qui deviennent qui produisent presque de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les personnes qui sont pas capables de s'adapter à mettre en place en fait des équipements qui aillent dans le sens de la mise en place de maisons positives en énergie, ces personnes vont se faire taxer un peu plus ou elles devront sortir encore un peu de cash pour se mettre à niveau pour devenir une maison, pour mettre en place un équipement suffisant pour rendre votre maison positive en énergie. Donc voilà, ça c'est des frais à prévoir.
Donc en fait, vous avez tout intérêt à étudier en fait avec votre banque et à négocier, par exemple, si les taux directeurs sont favorables, c'est-à-dire si le taux d'emprunt de votre mis en place par votre banque ne vous pénalise pas trop sur la durée que vous avez fait pour laquelle vous pensez réaliser votre prêt et vos remboursements. Donc il faut vraiment regarder vos taux. Et j'ajouterai un point également, c'est que même si historiquement on a eu une baisse significative des taux directeurs et donc des taux d'emprunt d'argent à la banque pour acheter notre immobilier. Et ben ça a des risques de ne pas durer et on va avoir justement une remontée de ces taux directeurs. Et c'est cette remontée des taux directeurs qui va, à mon sens, mettre en place à nouveau un risque majeur pour l'équilibre des foyers, parce que face à la remontée des taux directeurs, vous allez rencontrer peut-être des difficultés pour payer. Voilà, parce que même si un jour vous êtes deux à être en CDI et que vous considérez avoir un salaire très très confortable, et ben ça, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Même les CDI deviennent instables et on peut se retrouver en étant mis à la porte du jour au lendemain sans avoir aucune raison, tout simplement parce que peut-être que vous êtes des gens qualifiés ou non qualifiés, mais que cette entreprise, elle considère qu'elle vous a suffisamment utilisé, on va dire entre guillemets, et qu'elle n'a plus besoin de vous. Voilà, vous avez bien fait votre travail, vous êtes vraiment très investi, vous avez peut-être même fait un burn-out, et après, ben voilà, on vous remercie, on vous demande surtout de laisser à disposition l'ensemble de votre brouillon et de vos disques durs, voilà, et puis on va prendre un stagiaire pour vous remplacer, ça coûtera moins cher, et donc ça, le risque majeur, c'est perdre votre CDI, et donc il faut faire attention aussi aux assurances complémentaires, c'est que face à ce risque de perte d'emploi, il faut maintenant prendre des assurances, et tout ce qui est assurance se paye très très cher, donc en plus du coût lié au taux d'emprunt de votre argent, vous allez avoir ce qu'on appelle un TEG, on va dire un coût global qui est, on va dire, brut, et qui englobe plein plein de choses, comme par exemple les assurances autour de l'emprunt de cet argent. Donc voilà, donc le fait d'investir en immobilier ou de rester sur de la location, c'est un choix purement personnel. Après, vous avez d'autres stratégies qui viseraient également peut-être à absorber le coût de votre location. Si votre location de 23 ans à 60 ans, elle vous coûte 700 000 euros, vous pourrez envisager potentiellement d'autres placements que l'immobilier d'habitation. Il y a d'autres alternatives, comme par exemple les garages, les parkings, qui pourraient vous donner un meilleur taux de rentabilité, voire même par exemple au lieu d'avoir directement de l'immobilier en termes de propriété directe et de biens d'usage pour habitation, vous pourriez envisager dans un premier temps de rester en location et pour linéariser les pertes dues à cette location, mettre en place d'autres outils d'investissement un peu plus intelligents, comme par exemple le crowd immobilier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des parts en SSPI, des parts immobilières. Donc voilà, alors moi je vous expliquerai un peu plus si ça vous intéresse comment ça peut être mis en place, mais voilà, ce que je voulais vous amener à faire, c'est que personne n'est capable de vous dire si oui ou non vous devez investir dans l'immobilier, c'est un choix purement personnel. Ce choix purement personnel, il est fonction de vos besoins, de l'équilibre de votre famille également, du nombre d'enfants que vous avez, de votre situation. Donc vous êtes les seuls à pouvoir intégrer l'ensemble des facteurs externes que vous allez considérer comme favorable ou non à l'opportunité de mettre en place un prêt. Et certains, par exemple, adoptent des modes de vie actuellement beaucoup plus alternatifs et flexibles, et justement, ils ne veulent plus s'engager dans l'immobilier. Parce que s'engager dans l'immobilier, ça amène beaucoup de frais annexes, taxes d'habitation, foncières, et beaucoup d'autres prélèvements en fait sur vos lignes de compte. Donc c'est un choix purement personnel, mais l'avantage de l'immobilier, et on le redira toujours, comme nous disaient nos parents, voilà, dans notre cycle de vie, nos parents, qu'est-ce qu'ils nous voyaient ? Ils nous voyaient grandir, faire des études, ils nous voyaient rencontrer quelqu'un, puis après, construire sa maison, et puis après avoir des petits bouts. Ça, ce scénario, il est plus forcément vrai aussi, il est un peu remis en question, et on voit qu'il y a énormément de gens qui restent célibataires, et donc du coup, ça aussi, la consommation et les modes de vie autour de ça, ils changent également de beaucoup. Voilà, donc c'est un choix hyper personnel, moi je dirais, il n'y est pas immobilier, il n'y est pas location peut-être, mais il n'y est pas linéarisé, et diminuer votre risque en mettant en place une belle stratégie orientée répartition des pertes d'argent, compensée
potentiellement ce que vous perdez. Et une fois que vous avez compensé ce que vous perdez, bah, utilisez d'autres outils d'investissement qui, au contraire, vont vous permettre de faire grossir votre petit capital. Et en fonction de ce que vous serez capable de faire, vous pourrez envisager potentiellement de prendre des risques à long terme ou à court terme. Parce que le risque majeur de l'immobilier, c'est que ça vous engage sur le long terme. Et une fois que vous aurez utilisé votre capital pour investir dans votre achat immobilier, vous ne disposerez plus de capital et vous serez obligé de travailler pour rembourser progressivement ce capital en espérant devenir peut-être à l'issue de cette durée réellement propriétaire de votre maison. Parce que tant que votre prêt n'est pas remboursé, la banque reste propriétaire de votre maison. Donc il faut être sûr d'être capable de pouvoir rembourser jusqu'à la fin. Voilà. Et moi j'ai envie de dire, y est pas, qui vivra verra. Et puis surtout, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous surtout. Et faites votre propre analyse. Moi, mon analyse, elle n'a pas valeur de vérité. Elle a juste pour action de vous ouvrir l'esprit sur vos réflexions personnelles. Voilà, je vous dis à bientôt. Y est pas.